va énumérer des baliseurs qui enrichissent le patrimoine du Congo, de la régie de voie fluviale de la République démocratique du Congo. Donc, pour vous permettre de suivre ce qui se passe ici, en langue nationale, Mami Mambomi est ici pour le Lingala et Geneviève Kumba pour le Ikikongo. C'est avec elle que nous allons, au cours de ces minutes, vous expliquer en détail ce qui se passe ici au Congo au Beach Ngoubila. Là, c'est Charles Michel, président du Conseil européen, qui vient donc de faire son entrée ou qui vient d'arriver ici au Beach Ngoubila où la cérémonie va devoir commencer. Mami Mambomi. Le président de la République. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Monsieur le Président du Conseil européen, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur le ministre des Transports, membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce jeudi 29 avril 2021, dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera bientôt à l'inauguration des baliseurs multiformes de la régie de voies fluviales de la République démocratique du Congo, RVF en sigle, en présence du président du Conseil européen en visite officielle en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous solliciterons votre autorisation pour inviter à ce micro les personnalités ci-après. Le directeur général de la SCTP pour son mot de bienvenue, le directeur général de la RVF pour son mot de circonstance, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Excusez-moi,
Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, pour son discours. Monsieur le Ministre des Transports, des Voies et des Transports et Voies des Communications pour son allocution. Enfin, interviendra l'inauguration proprement dite des baliseurs multiformes par la coupure de ruban symbolique par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, avec votre autorisation, nous invitons M. le Directeur Général de la SETP pour son mot de bienvenue. Monsieur le Directeur Général. Les allocutions commencent par celle du directeur général de l'ASTP. C'est l'entreprise publique qui nous reçoit en ces lieux. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Bichingobila rentre dans les patrimoines de la SCPT ex-Onatra et le directeur général est là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Excellences, Monsieur le ministre des Transports, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La Société commerciale des transports et des ports, SETP, SA en sigle, souhaite à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la bienvenue dans ce cadre du port de Kinshasa qui abrite l'événement d'aujourd'hui. En effet, les dix événements sont d'une grande importance pour la sécurité de la population congolaise en ce qu'il permettra désormais aux convois de naviguer sur les fleuves Congo en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle je me dois de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté de présider personnellement la présente cérémonie. Je salue également la coopération agissante de l'Union européenne qui vient de témoigner une fois de plus sa volonté d'aider les peuples congolais avec l'acquisition de débaliseurs pour la régie des voies fluviales, RVF en sigle. Ces gestes qui s'ajoutent à ceux réalisés précédemment avec les vedettes hydrographiques confirment la ferme volonté de cette institution à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans sa politique d'amélioration des activités du transport fluvial. La Société commerciale des transports et des ports, SETP en cycle, se réjouit sincèrement de sa participation active à la réalisation de ce projet par la mise à disposition de son chantier naval d'Indolo et de ses équipes de techniciens expérimentés lors des travaux de construction des balisés durant la période allant du 14 novembre 2018 au 19 octobre 2019, soit pendant 11 mois. La SETPSA, en sa qualité également d'armateur public, est heureuse de bénéficier des futures prestations de ces unités fluviales, car le balisage du fleuve facilitera le travail de conduite sécurisée des bateaux par ces équipages lors de la navigation sur les fleuves et les Kassai, pour ne citer que ces deux principaux axes de navigation. Je suis convaincu que la mise en service des deux balisés Kassai et Yaolimela va réduire notamment les échouements de nos convois, les casses des matériels, la consommation de gasoil et de ce fait, cela va réduire les temps de navigation qui entraînera une baisse des coûts d'exploitation. Voilà pourquoi j'ai commencé ces mots par souligner de prime abord la grande importance
de la cérémonie à laquelle nous sommes conviés ces jours pour témoigner de notre indéfectible attachement aux activités initiées par le gouvernement de la République sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil de l'Union européenne, Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de communication, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Par leur énorme potentiel évalué à 14 000 km, les voies navigables de notre pays ont toujours contribué à toutes circonstances au transport des personnes et leurs biens sans discontinuité, contrairement aux autres modes de transport terrestre qui sont indisponibles chaque fois qu'il y a des problèmes d'entretien. C'est ainsi que je soutiens de manière indéfectible avec l'ensemble du personnel de la SCTP, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la poursuite de la politique de relance du transport fluvial, aussi bien par la coopération internationale à travers ces secteurs que par le financement du programme du gouvernement pour le bien-être de la population congolaise, ainsi que celui des étrangers et autres investisseurs ayant choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Je vous remercie. Il va donc intervenir à notre discours, c'est celui du directeur général de la Régie des voies fluviales, après celui de tout à l'heure du directeur général de la SCTP. Nous invitons M. le directeur général de la RVF pour ce mot de circonstance. Régie des voies fluviales. C'est donc cette régie de voies fluviales qui va pouvoir gérer ces baliseurs. Ce sont des baliseurs multifonctionnels et leur différence est que ce sont des machines dotées de rampes qui peuvent leur permettre de supporter quelques poids et transporter quelques fois. Quelques poids, contrairement aux baliseurs qui existent déjà, il y a Lomela, il y a Congo, il y a Kauka, il y a trois ou quatre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Monsieur le Président du Conseil européen, à qui nous souhaitons la bienvenue en RDC. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne. Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement. Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique. Mesdames et Messieurs, les membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le secrétaire général au transport et voies de communication, Monsieur le coordonnateur de la COFET, Monsieur le coordonnateur de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, Messieurs les membres du conseil d'administration de la RVF, Messieurs les membres du conseil d'administration de la SCTP, Messieurs les commandants de la 14e région militaire, Messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les représentants de la firme JGH, Monsieur le Président du Comité professionnel des transporteurs fluviaux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Ce jour revêt un caractère éminemment particulier et historique
pour la RVF, car le secteur des transports fluviaux et lacustres congolais est spécialement à l'honneur à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration officielle des deux baliseurs multifonctions BMF en cycle, acquis dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en RDC en sigle PANAV, sur financement de l'Union européenne. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour nous acquitter de prime abord d'un agréable devoir, particulièrement celui de souhaiter, au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la RVF, la bienvenue à son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, président de l'Union africaine. Lui souhaiter un vibrant hommage pour avoir accepté de présider personnellement la cérémonie d'aujourd'hui. Une façon pour vous d'exprimer, mesdames et messieurs, votre vision sur le secteur fluvial et lacustre, l'un des piliers du système de transport multimodal, vecteur de l'expression de la croissance et du développement socio-économique de la RDC. Ensuite, nous tenons à vous remercier, vous tous, autorités politiques, diplomatiques, économiques, militaires, civils et scientifiques, et de façon singulière, monsieur le président du Conseil européen, Charles Michel, pour avoir consenti de rehausser de votre présence cette cérémonie. Excellences, monsieur le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, monsieur le président du Conseil européen, excellences, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute considération, excellences, monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, excellences, mesdames et messieurs, membres du gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos rangs et qualités respectifs, en effet, il convient de vous rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres en RDC, 10e Fonds européen de développement, FED, dont la RVF a été le principal bénéficiaire à côté de la SNCC et de la STP qui nous reçoit dans ce beau cadre, plusieurs activités étaient inscrites et réalisées, ainsi que des acquisitions en termes des équipements et matériel pour renforcer la capacité d'intervention de la régie de voies fluviales sur le réseau fluvial et lacustre de la RDC. Il s'y est de signaler également que le PANAV s'est occupé essentiellement des cours d'eau de la première catégorie, à savoir le fleuve Congo, 1737 km, et la rivière Kasaï, 607 km, soit un total linéaire de 2400 km environ, ce qui représente plus ou moins 25% de l'ensemble du réseau hydrographique congolais, qui est estimé à 15 000 km de voies navigables classifiées et catégorisées,
sur un total de 25 000 km à l'état naturel. L'acquisition de ces deux baliseurs multifonctions, acquisition de surcroît neuf, que votre très haute autorité, Excellence Monsieur le Président de la République, avait accepté de procéder à l'inauguration officielle, vient augmenter le nombre des unités de servitude opérationnelle de la régie de voies fluviales à côté d'autres unités flottantes réhabilitées, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du PANAV, financé par l'Union européenne. Dans le même ordre d'idées, en termes d'acquis de ce projet, nous pouvons épingler, en sus de ces deux baliseurs multifonctions et à titre indicatif, ce qui suit. L'installation d'un centre moderne de traitement des données hydrologiques et hydrographiques, CTD en cycle. La réhabilitation des quatre baliseurs, l'acquisition de 13 canons hydrographiques et l'acquisition de matériel et équipement hydrologique, hydrographique et topographique, sans oublier le volet renforcement des capacités de l'ensemble du personnel de la régie de voies fluviales, mais surtout les corps des métiers. Il est vrai que l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents aura un impact positif et visible sur le développement socio-économique en assurant la fluidité du trafic fluvial et des échanges commerciaux, ainsi que la mobilité des personnes et des biens dans ce grand et beau pays dont le cours d'eau couvre les trois quarts du territoire national, comme l'a signalé le DG de la SCTP. Dès lors, l'exploitation optimale de voies d'eau constitue un grand challenge pour la RDC, qui doit relever plusieurs défis pour son émergence. Le fleuve Congo est alors censé jouer ce rôle de grand boulevard naturel en tant qu'infrastructure principale de voies de communication dont le coût d'entretien est moins onéreux par rapport aux autres modes de transport, car c'est par le fleuve Congo que viendra la prospérité de la RDC, disait un auteur. Ces deux baliseurs multifonctions dont l'inauguration est placée ces jours sous le patronage du chef de l'État, portant la marque déposée de la firme finlandaise. Il s'agit de bâtiments flottants de 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et d'un creux de 1,80 m. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer de façon solennelle l'initiative à travers l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable dans la quête des pistes de solutions idoines et durables afin de pérenniser les acquis des investissements issus de la mise en œuvre des différents projets, particulièrement le processus en cours de création d'un fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en sigle FONEF. En conclusion, pour une pérennisation durable des acquis du PANAV, l'appui du gouvernement de la République et de ses partenaires au développement dans l'Union européenne au processus de création de ce fonds d'entretien de voies navigables revêt un caractère indispensable. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président du Conseil européen, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ainsi dit, nous vous réitérons notre mot de bienvenue et vous remercions très sincèrement
de votre attention soutenue. Vive la RVF, vive l'Union européenne, vive la RDC. Je vous remercie. Le réseau hydrographique de la République démocratique du Congo réhabilité, utilisable, plus de 2000. À présent, nous invitons Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo pour son discours. Kilomètres qui vont être balisés et disponibles. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chers amis, c'est un honneur vraiment de m'adresser à vous sur les rives de ce majestueux fleuve Congo, dont l'importance symbolique, historique, culturelle commande le respect. Nous connaissons tous l'importance pour l'économie de ce pays de la navigation sur ses voies fluviales. Les trois quarts du pays sont accessibles par voie fluviale. Et je sais d'expérience, dans mes déplacements dans le pays, que de nombreuses zones ne sont encore accessibles que par ce moyen. Pour un grand nombre de citoyens de l'intérieur du pays, les voies fluviales sont donc un cordon vital, je dirais même un trait d'union pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Avec des rivières bien aménagées et entretenues, le transport fluvial est efficace, économique et respectueux de l'environnement. Un seul convoi fluvial peut embarquer autant de marchandises que 150 wagons de chemin de fer ou 300 camions. Certains d'entre vous ont connu l'époque où le pays disposait d'un système de navigation parfaitement fonctionnel. Pourtant, malheureusement, l'histoire a fait qu'à la fin du XXe siècle, dans les années 80, dans les années 90, les aides à la navigation se sont désorganisées, les ports se sont dégradés et de nombreux bateaux ne correspondaient plus aux normes. De ce fait, le transport par voie d'eau est devenu lent et souvent dangereux et ne permettait plus d'approvisionner convenablement les grandes villes de ce pays comme peut l'être Kinshasa. C'est donc pourquoi, en réponse à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, l'Union européenne a investi 60 millions d'euros pour rendre la navigation sûre sur 2300 km de voies navigables, notamment sur le fleuve Congo et sur la rivière Kasaï. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, il s'agit d'un exemple de coopération agissante, il s'agit aussi d'un exemple de coopération concrète que nous entendons mettre en œuvre et en place avec nos partenaires congolais. Les deux bateaux que nous inaugurons aujourd'hui ont été fabriqués à Kinshasa par une entreprise européenne, une entreprise danoise, JGH Marine, dans les ateliers ici, avec des ouvriers congolais, de la Société commerciale des transports et des ports, dont le directeur général vient d'intervenir. Ce sont des bateaux multifonctions, en même temps baliseurs, donc munis d'une grue pour déposer les balises, et pousseurs, ce qui leur permet de forcer des convois à se constituer, des convois de barges pour transporter un plus grand nombre de marchandises ou de personnel. Ils sont destinés à la régie des voies fluviales, dont le directeur général est également intervenu à l'instant. Avec l'inauguration qui nous réunit aujourd'hui, l'Union européenne passe le relais aux autorités nationales, ici représentées, pour qu'elles tirent parti de cet investissement. Il s'agit de maintenir la signalisation visible en tout temps pour les navigants et mettre à leur disposition les cartes de navigation qui leur sont nécessaires. Les opérateurs économiques, les populations à l'intérieur du pays, les populations de Kinshasa comptent sur nous, comptent maintenant aussi sur vous. Les signaux et les cartes ne suffisent pas à garantir la sécurité. Il faut que la police de la route fluviale fasse la chasse aux bateaux surchargés et ne répondant pas aux normes techniques. Ce qui est aussi à la clé, c'est peut-être l'autorisation de navigation de nuit, qui permettra de constituer un véritable appel d'air pour le secteur et l'économie nationale. Ce qui est aussi très important, c'est que nous puissions associer les opérateurs économiques à cette démarche.
Tout à l'heure a été évoquée la création du FONAF, donc de ce fonds. Il s'agit de mettre fin à un certain nombre de tracasseries administratives, d'éliminer les taxations parafiscales et de constituer un véritable ressort de financement de cette navigation fluviale. Et donc de construire autour de ce projet un véritable partenariat public-privé, associant l'État congolais et les opérateurs économiques au service de la population congolaise. Et donc c'est un exemple finalement de développement durable que nous pouvons mettre en œuvre. Je voudrais conclure maintenant en faisant une mention à tous ceux et toutes celles qui ici présents ont coopéré, ont agi ensemble pour mettre en œuvre ce projet, pour l'avancer, pour le développer. Il n'y a pas de coopération qui puisse se faire sans les hommes. Et ce projet, une fois de plus, est la démonstration que quand nous agissons ensemble, que quand nous agissons en partenariat, nous pouvons construire de grandes choses. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, de votre présence ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil, de votre présence. Merci de votre présence à tous et à toutes. Voilà donc l'intervention de l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il vient donc de démontrer l'importance qu'il y a d'entretenir ces 2300 kilomètres de... Monsieur le ministre des Transport et voies de communication pour son allocution. C'est donc le temps pour le ministre Chérubin Okindé, ministre des Transports et voies de communication, qui est donc entré en fonction depuis l'investiture et la remise reprise intervenue hier, ici à Kinshasa, dans les locaux du ministère de Transport et voies de communication. Il va donc s'adresser à la communauté ici présente, mais à travers la radio-télévision nationale congolaise, il s'adressera à l'ensemble du territoire national et du peuple congolais. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et très chers collègues, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Monsieur le Directeur général de la Régie de voies fluviales, Monsieur le Directeur général de la Société commerciale de transports et de ports, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour avoir accepté notre invitation à présider personnellement la présente cérémonie malgré votre agenda très chargé. Je ne peux m'empêcher de vous rendre, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, un vibrant hommage pour votre forte impulsion et votre ambition de valoriser les potentialités de notre pays, notamment par l'amélioration du système de transport multimodal. Le projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres de la République démocratique du Congo, PANAV en sigle, est conçu pour appuyer à travers le Fonds européen de développement la détermination de la République démocratique du Congo d'améliorer la navigabilité d'une partie de ce voie fluviale et lacustre. L'acquisition de deux baliseurs multifonctions en faveur de la régie fluviale, de la régie de voies fluviales, procède donc du financement de l'Union européenne dans le cadre du dit projet. Ce financement a favorisé la relance des activités de la régie de voies fluviales sur le fleuve Congo, la rivière Kasaï et le lac Tanganyika. Dans ce cadre, des études techniques ont été menées, des travaux de balisage fixe et mobile effectués, des modules spécifiques de formation pour le renforcement des capacités du personnel navigant et technique ont été également dispensés. À cela s'ajoutent des canaux hydrographiques
et les deux nouvelles unités flottantes faisant l'objet de la cérémonie de ce jour. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'inauguration de ce baliseur rentre dans la ligne droite du programme d'action du gouvernement que dirige Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Samalukonde Tiengé, qui fait de la réhabilitation et de l'entretien de voies de communication notre cheval de bataille. En effet, c'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous, 72 heures après l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, à cette occasion de la cérémonie d'inauguration des baliseurs multifonctions. Je saisis cette opportunité pour remercier l'Union européenne pour son appui financier et logistique en faveur de la régie de voies fluviales qui s'aligne sur la politique du gouvernement dans la relance du secteur de transport fluvial et lacustre de notre pays. Les deux baliseurs qui sont inaugurés ce jour viennent renforcer les capacités opérationnelles de la régie de voies fluviales dans la réalisation de son mandat. Celui-ci consiste en effet à sécuriser la navigation sur les voies d'eau intérieures, estimées à 25 000 km à l'état naturel, dont environ 15 000 km explorés et catégorisés constituent l'épine dorsale de l'économie nationale, car offrant des atouts et des opportunités pour le développement de notre pays. À l'heure où le désenclavement fait partie des attributions de mon ministère, il est temps de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, pour desservir le coin le plus reculé du pays. L'exploitation du réseau hydrographique congolais offre une opportunité de désenclaver plusieurs contrées du territoire national et de créer des conditions d'intégration socio-économique dès lors que son aménagement et son entretien sont assurés de manière régulière. Je suis convaincu que la voie de navigation intérieure, dont l'aménagement et l'entretien sont confiés à la régie de voies fluviales, demeure le catalyseur de l'expansion des autres secteurs porteurs de croissance économique, tels que l'agriculture, la pêche, les infrastructures, les mines, les hydrocarbures et j'en passe. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, conscient de cette évidence et sur base de sa politique axée sur la relance du secteur de transport multimodal, le gouvernement de la République avait résolu de conclure des accords de financement avec ses partenaires traditionnels dans ce secteur, à l'instar de ce qui est fait avec l'Union européenne. C'est ici le lieu d'inviter d'autres partenaires intéressés à rejoindre l'Union européenne dans ce secteur vital pour le développement économique de la République démocratique du Congo. En effet, j'attire l'attention particulière de la Direction générale de la Régie de voies fluviales sur le sens de responsabilité et lui recommande de faire bon usage de cet outil de travail, d'en assurer l'entretien et la maintenance en vue de pérenniser les acquis du PANAV et de rendre les services attendus par les populations congolaises. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'était donc la dernière allocution avant la coupure du ruban symbolique par le président de la République, cher Ruben Okende. Nouveau. L'invitation a donc rappelé l'importance qu'accorde le gouvernement Samalukonde à la navigabilité, à l'amélioration. Nous allons inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration des baliseurs multifonctions. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera accompagné du Premier ministre, du Président du Conseil européen, des membres du gouvernement, du Directeur général de SCTP, de la RVF, l'ambassadeur de l'Union européenne,
le coordonnateur de l'ACDEDD, le directeur de cabinet et ses adjoints, ainsi que le conseil spécial. Les autres invités resteront dans la tribune. Je vous remercie. En ces lieux, c'est dans quelques minutes, le président de la République et le président du Conseil européen s'avance donc vers les bateaux que l'on appelle baliseurs multifonctions ici par la régie des voies fluviales. Le président va couper le ruban symbolique pour ainsi laisser ce baliseur agir sur le fleuve, sur les différents biefs navigables de la République démocratique du Congo, sur la rivière Kasaï, sur la rivière, sur le fleuve Congo, pourquoi pas sur la rivière Ubangi. On vous a dit que trois quarts de la République démocratique du Congo est arrosée par des rivières qui peuvent bien être utilisées comme des routes, pourquoi pas des avenues. Comme l'a dit le ministre des Transports, à travers l'écran géant qui est à votre droite. Appelez le directeur technique. Le commandant. Il y a également des rats là-bas.
C'est-à-dire qu'il peut transporter un véhicule et autre pendant la campagne de la mine. Il transporte ici. Oui, la brute. Oui, la brute. Oui, oui, la brute. Une unité sans brute n'est pas un baliseur. Justement, il y a à la fois les hydrologues, les hydrographes et eux pour les baliseurs. Et donc ils cherchent des endroits justement où il n'y a pas de banc de sable. Oui. Et là ils posent des balises. Des balises. Pour permettre de tracer. Tracer la route de navigation. Pour qu'il y ait sécurité. Et pourquoi sur 2300 km? Ah oui, mais c'est ça la faute qui a été signée. Excellence. Donc c'est le bien de la question. C'est une question excellente. Ça paraît en chemin là. Le bien qui nous voit, c'est l'Union européenne qui s'en occupe. Le bien supérieur, c'est-à-dire qu'il y a là-bas, c'est la bande. Alors ici, c'est 2400. Le plus le monde, c'est Kinshasa qui s'en occupe. Ah d'accord, oui. De Kinshasa, qui s'en a mis, ça c'est une meilleure. Et sur la rivière Kasaï? Kasaï c'est Komoutou. Oui. De Komoutou, plus que le 605 km. Ah c'est ça qui change? Oui. 2000. Oui, 2000. 400. Oui, 2700. D'accord. Mais le tout cas, l'excellence, c'est 15 000. 4 000. Donc à mieux, on a 100. Mais en ajoutant des lieux, vous avez dit. Oui, oui. Les balisés vont faire des services de bloc supérieur. Voilà. C'est combien de kilomètres? Le Tama, Tongolo, 600. Kindo, Bungo, 300. Oui, juste Bungo. La partie navigable. De l'autre côté, c'est moins navigable. Le Bungo qui s'en est, là, c'est moins navigable. C'est une autre voie. Merci. Merci à vous. Merci. 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 C'est le fond de la de la République démocratique à Congo, sans dit ça en Congo et à Congo, en disant à Mbote, Nabimanan. Mon termina, bien bon, mais t'as dit là. Se lever pour saluer le départ de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci, amis téléspectateurs, vous avez suivi donc l'inauguration des deux baliseurs que la régie de voies fluviales va pouvoir gérer désormais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a personnellement coupé le ruban symbolique à côté du président du Conseil européen, Charles Michel. Le premier ministre Assamalou Koundé était donc là aussi dans cette délégation et le ministre des Transports qui a rappelé la responsabilité qui incombe désormais à la régie de voies fluviales pour pouvoir gérer un bon père de famille, c'est des outils de travail qui leur sont confiés, son comité de gestion, pourquoi pas les conseils d'administration, vont revenir assez souvent pour dire aux travailleurs ce qu'ils doivent faire de ces deux outils de travail, de ces deux machines qui vont continuer à baliser le fleuve Congo et toutes les rivières qui approvisionnent le fleuve Congo en eau. J'imagine que vous avez tous apprécier la qualité des explications, mais surtout des détails fournis par les différentes interventions ici au Beach Ngobila où la cérémonie était donc organisée, la cérémonie d'inauguration de deux baliseurs. Mami Mamboni, une dernière explication à Lingala avant Geneviève Kumba. Matendo mingi edicha ya sene ni otu kolanda asika mokambi ya kolo Felix Anton Tshisekedi Tshilombo ye asilisi bongo kokata elamba oya pesi nzela na masuwa maye bako banda asika kusana musana mango oya balo ya Kongo nilomi boibu ete ete otu kolisa abinote masuwa maye nazali pendana litomba pamba te ungo ezali wana pona kokombo ya
et bah le combat nous combattait comme on s'est mis là pour le début de quoi kakate de comment les salamis ma soeur ma balouki tout ma soeur ma kanyam car c'est ma soeur ma soeur ma soeur qui a la potia de tout au kati et balé comme on a zélé pour la qui s'appelle là au loco mon compte ma soeur à tout populaire et ça dit qu'on ma soeur à mon anzela et ça nous tolé et bon mon anzela on a coupé ça ma coquine a tiré et t'es une bonne et de là la balé et ça les manana longue et longue bannée et que ça a été une quitte la République démocratique à Congo et qu'on tombe dans les sous-sous pour que le bisobo et le nouveau camp de colo Félix en tant que ce qui dit tout le monde. Je ne viens pas. Monsieur Jean de Dieu Minéco a oublié son téléphone. Salut quand on va prendre le jeu là, nous sommes dans le délai qu'il y a où on a entendu le téléphone. Il y a une petite année katoka na ko zibula nzila samu ba masuwa nusu zole ya sala kisalu na yao na meza nzadi na kukatula mtoto na kukatula bakuli ina to na yuti ina ye kubwaka na kati ya maza ya vwanda kukatula ba matiti na kelo za maka ya vwanda buna ya ike vwanda kasamu na kupusala beti na kati ya meza nzadi seleka yake kibima musi yake ya bisa